Bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on dit quoi? Et la nouvelle année, ça débute bien pour vous, j'espère. Très bien, moi quand même, alhamdoulilah, ça va. En tout cas, on ne se plaint pas. Voilà, l'année débute pas mal avec ces événements de bon comme de mal. Voilà, donc ce soir, quand même, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Voilà, comme vous le savez tous, nous traversons un moment difficile, que ce soit dans le monde entier, que ce soit principalement au Mali, d'accord, au Mali, dans mon pays. Voilà, donc récemment nous venons de subir une lourde sanction, une sanction très sévère de la part de l'organisation sud-régionale, la CEDEAO. Voilà, donc et ceci était prévisible. C'était prévisible. Je comprends tout à fait l'état d'esprit des uns et des autres. Voilà, la morale, c'est que ce n'est pas au beau fixe. C'est à que beaucoup de gens disent que crée sur le toit, ou bien voilà, sort du bois et disent du n'importe quoi. Donc je comprends, tout le monde. C'est il y en a beaucoup qui s'expriment sous un état émotif. Voilà, ils s'expriment sous émotion. Donc si vous exprimez sous l'émotion, sous la colère, donc vous allez vous occulter, vous outrepassez la faculté de discernement, de bien raisonner, pour comprendre pourquoi nous sommes arrivés jusque-là, pourquoi cela nous arrive à nous. Donc je pense que c'est bien de se poser ce genre de questions. Voilà, surtout pour comprendre la cause, pourquoi ça nous arrive. Est-ce qu'on nous a injustement sanctionné? Est-ce la faute à ceci ou à celle-là? Donc c'est ce genre de questions qu'il faut se poser surtout. D'accord? Voilà, après, de prendre une décision. Voilà, tout le monde sait qu'une décision qui se prend sous l'emprise de la colère, voilà, engendre d'autres difficultés, ou bien engendre la négativité.